Let us experience the joy and intoxication of being in Baba's lap. Expérimentons maintenant avec beaucoup de joie la joie d'être dans le giron de Baba Dada. Baba nous adopte et nous devenons ses enfants. He makes us worthy. Il nous rend dignes and fortunate. Et fortunés. Baba shows us the path. Baba nous montre le chemin de la libération et de la libération dans la vie. Même à l'âge de confluence, nous sommes capables d'expérimenter le niveau de la libération. I must share all good wishes and pure feelings for everyone. Alors, je ressens ou je partage des sentiments purs et des bons souhaits pour chacun. Always have inner contentment. Ayez toujours un contentement intérieur parce que nous avons toutes les acquisitions de Baba. Autant que nous serons libres des désirs, Baba fera de nous des instruments pour servir de façon illimitée. So I stay in Baba's company. Alors, je demeure dans la compagnie de Baba. And take directions from Baba. Et je prends les directives de Baba pour ma vie. Everything belongs to Baba. Tout appartient à Baba. Alors, je suis détachée et libre. I know. Everything will be used. Je sais que tout va être utilisé de façon utile. Let us take drishti from Baba. Prenons le drishti de Baba. And have determination. Et ayons that we will become la like. Pensée déterminée que nous deviendrons comme Baba. De Baba Dada à travers ses yeux. Les mots de Baba Dada à travers sa bouche et la proximité de Baba Dada à travers son sourire. La présence de Baba Dada à travers son silence. Le cadeau de Dieu de Dadi Gulzar. Chief Baba dit que puisque vous avez déjà, vous savez déjà comment provoquer un changement chez qui vous vous souvenez, alors maintenant souvenez-vous de moi seul. Ne vous effrayez pas du mot yoga. Ne confondez pas avec ce que c'est le yoga. Yoga, cela signifie simplement se souvenir. Mais je suis une âme et Shiv Baba est mon père, souvenez-vous de lui, en forgeant une relation avec lui. Pas comme Dieu est là, mais je ne sais pas à quoi il ressemble.
Donc, il y a une... Mais je ne sais pas quoi il ressemble. Est-il aussi brillant que mille soleils? Qui est-il? Qui est-il? Mais il est mon père. Supposons que votre enfant soit en Amérique ou à Londres ou qu'il soit... Où qu'il soit, est-ce que vous l'oubliez? Il y a une relation, non? Supposons que vous perdiez 5 roupies, que l'autre personne perde un lac de roupies, ce qui est beaucoup plus. De laquelle vous souviendrez-vous? Ces roupies d'un lac ou vos 5 roupies? Vous vous souviendrez de vos 5 roupies, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que cela vous appartient. C'est pourquoi vous savez que Shiv Baba nous a dit, Shiv Baba nous dit, ne dites pas simplement Baba, mais dites mon Baba. Il est à moi. Il est à moi. Dieu m'appartient personnellement. Tout comme Arjuna avait cette ivresse que Krishna est à moi. Donc, Shiv Baba nous dit de ne pas simplement dire Baba, Baba. Mais à la place, c'est mon Baba. Nous avons droit à ce qui est à moi. Si je dis c'est mon mouchoir, un mouchoir n'est pas une grande chose, mais comme il m'appartient, je m'en souviendrai si je le perds. Que lorsque j'y suis allée là-bas, il s'est perdu alors, c'est que c'est à moi. De même, considérer Dieu, l'âme suprême, comme mon Baba ou mon Père. Il est à moi, nous avons un droit sur lui, alors vous vous souviendrez facilement de lui. Om Shanti. Om Shanti. C'est vraiment beau de commencer cette nouvelle expérience avec le Murli. Le Brother Ken nous a donné une méthode très, très simple de comment écouter le Murli, comment pratiquer pendant la journée et aussi expérimenter. Comment expérimenter? Donc, faire des expériences. Et ça ne fait que 24 heures, mais je trouve que c'est très, très bénéfique. Je veux juste partager un peu sur la façon que ça fonctionne. Parce qu'il y en a qui essaient encore de comprendre ce que j'ai à faire. Ce que Brother Ken nous dit de faire, ces trois mots sont vraiment répétés souvent dans le Murli de Baba. Alors, vous essayez de trouver la connexion, les liens entre ces trois mots. Et lorsque vous le lisez, le Murli, avec cette clarté, comme ce matin, je l'écoutais, ensuite je l'ai lu, j'ai pensé que non pas une seule phrase, mais chaque mot de Baba a beaucoup, beaucoup de signification. Il y a beaucoup de messages, de grands messages à nous donner. Et bien sûr, cela crée de l'ivresse, parce que Baba, c'est notre Père, notre professeur suprême et notre guide suprême. C'est à travers le Murli que notre Père nous rend digne de réclamer notre héritage. C'est à travers la connaissance, bien sûr, il y a le souvenir et la dharna et le service. Mais tout cela dépend de la connaissance. Autant nous aurons de la connaissance qui sera claire dans notre intellect, nous serons capables d'amener ceci dans nos actions. Et nous serons aussi capables d'avoir une bonne dharna et de faire du service. Donc, tout est relié avec la connaissance. Oui, le Père, en tant que Père, il nous rend digne. En tant que professeur,
il nous donne à travers l'étude un revenu impérissable. Et à travers le Sadhguru, il nous montre le chemin pour trouver notre destination. Il partage tellement beaucoup de secrets avec nous maintenant, puisque nous faisons des efforts à chaque jour, quelques efforts d'efforts. Il y en a qui en font plus ou moins, mais quels que soient les efforts que vous faites, Baba, le state, le niveau s'améliore de plus en plus. Le niveau est meilleur, donc l'esprit et l'intellect comprennent la connaissance beaucoup mieux. Donc, c'est dans ces mots, la signification, la profondeur. Plus tard, il y a deux autres qualités qui émergent en nous. Un mot qui est très utilisé pour l'intellect, c'est aussi appelé Vivek. Vivek, c'est aussi la conscience. Donc, l'éveil de la conscience. Cela veut dire que le procédé de la réalisation s'éveille. Avant, si j'ai fait des erreurs, ou ça, peut-être que ça devient une habitude et je ne ressens pas que j'ai fait quelque chose de pas correct. Mais lorsque votre conscience est éveillée à travers la connaissance, alors vous réalisez vraiment immédiatement que c'est une habitude et que je ne devrais plus le faire. Et je demande à Baba de me pardonner. Alors, la réalisation, le processus de la réalisation débute lorsque la connaissance vient dans notre conscience. Alors, ce matin, je m'assoyais et j'essayais d'expérimenter comment l'âme est si subtile. C'est un point de lumière. À l'intérieur de ce point de lumière, il y a l'esprit, l'intellect et les sanskars. Même juste essayer d'essayer d'aller dans cette expérience, c'est compliqué. Est-ce que l'intellect aussi est ici subtil? Donc, si l'âme est si subtile, imaginez l'intellect. Donc, l'intellect aussi est très subtil. Alors, lorsque je comprends la connaissance, autant que je puisse la comprendre, l'éveil va arriver. Non pas seulement l'éveil, mais aussi l'illumination. La lumière. Il y a trois mots que nous utilisons en anglais. Nous disons le bonheur, mais il y a aussi la joie au-delà des sens. Un mot que nous utilisons beaucoup, c'est en hindi sukdam. Il dit, je vais vous amener dans la terre du bonheur, sukdam. Mais lorsque nous disons la joie de la naissance, c'est suk. Duk, c'est la peine, et suk, c'est la joie ou le bonheur. Alors, l'âge d'or, c'est la terre du bonheur. Ce n'est pas nécessairement le bonheur, mais il y a cette joie intérieure, de contentement. Non pas seulement heureux, parce qu'après, il peut y avoir triste et heureux. Mais à l'âge d'or, nous avons aussi toutes les acquisitions, mais à l'âge d'or, nous avons un esprit qui est très paisible, le corps est en santé, tous les conforts sont là, des bonnes relations, des belles relations. Alors, nous l'appelons la terre, comme j'ai dit, suk. Suk et duk. Duk, c'est la peine, donc c'est l'âge de fer. Et suk, ce n'est pas seulement le bonheur, mais que vous avez tout dans la vie. C'est une vie très, très heureuse, très joyeuse. Aujourd'hui, j'ai dit, OK, pendant le trafic contrôle,
comme Baba dit disait de danser dans la joie. La première fois que je suis allée à Baba, la classe était dans l'édifice de Ishudadi. Nous étions à peu près trentaine. Et ensuite, nous sommes transférés dans History Hall. Et dans History Hall, lorsque je suis allée la première fois pour le Murli, pour l'écouter, j'étais assise dans la deuxième rangée sur le côté des sœurs et Baba m'a pointé. Il m'a demandé de venir dans la première rangée. Donc, oui, je me suis déplacée. Baba a dit, assis-toi toujours là. Et ensuite, lorsque j'ai relu ce Murli, je me souviens, il disait, je veux voir les enfants en avant. Je vais voir les enfants avec lesquels qui vont être emplis d'ivresse parce que je sais qu'ils vont aller faire du service. Donc, c'était comme la danse de la connaissance. Lorsque j'écoute le Murli, ou que ça devrait être comme ça, c'est la concentration est totale. Je ne pense même pas à regarder d'un côté ou de l'autre parce qu'il y a tant de choses lorsque nous écoutons Baba, spécialement assis devant Sakar Baba. Donc, vous voulez voir Baba, vous voulez voir Shiv Baba, vous voulez expérimenter et ressentir Dieu. Et bien sûr, comprendre parce que une fois, Baba était à Delhi. Il a dit le Murli, il m'a dit viens. Il y avait quand même une assez grande assemblée. Il m'a fait asseoir à côté de lui. Et il a dit, en 5 minutes, fais la révision du Murli. Alors, j'écoutais toujours le Murli de façon très attentive. Donc, je m'en souvenais 2-3 points ensuite entre les deux. Donc, en 5 minutes, j'ai répété le Murli. Et Baba dit, c'est très bien. Je donne juste un exemple combien Baba voulait que nous ayons une concentration totale et aussi cette capacité à capter d'une telle façon que si j'ai besoin de répéter les points, je peux le faire. Et plusieurs fois, c'est arrivé qu'aussitôt que la classe est terminée, le Murli est terminé, nous sommes occupés avec les téléphones, faire le déjeuner, manger. Et il y en a qui appellent après une heure. Quels étaient les points du Murli? Je dis, oh, laisse-moi voir, je dois m'en souvenir. Donc, la pratique que nous faisons maintenant, c'est très utile parce que à toutes les quelques heures, nous allons barater sur un point, nous souvenir des points. Non pas seulement, mais nous allons aussi l'expérimenter. Je suis dans le giron de Dieu. Aujourd'hui, c'était un point. Baba m'a amené à la lumière, de la noirceur. Baba m'a amené dans la lumière. Baba établit la terre du bonheur pour moi. Aujourd'hui, j'ai dit, OK, je dois faire au moins 5, je devrais me souvenir de 5 points qui sont connectés avec le bonheur. OK, donc l'intellect fonctionne. C'est un devoir. Donc, lire le Murli, prendre des notes et relire le Murli, mais aussi d'expérimenter cette joie, la sécurité, l'amour, la protection de l'amour de Dieu. En 2 ou 3 minutes dans le giron de Dieu, je suis dans le giron de Dieu. Ce n'est pas seulement que je dois penser au point, parce qu'alors ce n'est seulement que l'intellect qui travaille, mais je le comprends. Et ensuite, je fais la connexion, le lien avec le bonheur. Je suis une âme tellement heureuse. Baba nous a amenés dans la lumière. Nous étions dans la noirceur. Je veux juste avoir cette pensée. Avant, il y avait
la noirceur de l'ignorance maintenant. Il y a la lumière de la connaissance et je sais ce qui est bien et ce qui est aimé. Et je sais aussi comment me souvenir de Baba. Je sais comment faire des actions élevées. Donc, c'est la lumière. Avant, nous étions dans la noirceur. Alors, chaque point que je prends pour expérimenter ce point, donc la pratique et l'expérience de ce point, c'est très, très bénéfique. Et ensuite, j'ai eu beaucoup de retours de plusieurs qui disaient qu'ils créaient vraiment, ils créaient vraiment ces expériences, d'autres voulant en savoir plus. Alors maintenant, nous comprenons parce que comment nous devons faire le lien entre ces trois mots. Alors, ce que je trouve, c'est que dans le monde de Loki, ils disent « Celle-ci est très éduquée. » Cette personne a beaucoup étudié, elle a beaucoup lu. Mais c'est la connaissance. Ici, c'est la connaissance. So we get to stop and pause. Very Donc, nous avons eu à prendre une pause, ce qui est très bénéfique. Nous pouvons penser un peu à ce qui a été dit, nous pouvons réfléchir, digérer aussi tout ce qu'on vient d'entendre. Quelquefois, l'intellect devient très, très occupé. Et j'ai remarqué cela aussi. Je lis, j'écris, je l'utilise beaucoup. Mais ce devoir nous aide à mettre tout cela en pratique. D'une part, il y a l'éducation et de l'autre part, il y a l'étude. Et troisièmement, il y a juste de savoir beaucoup d'informations. Mais ici, c'est de la connaissance. En hindi, c'est appelé gyan. Et gyan veut dire que ce n'est pas n'importe quelle étude. Ils disent toujours « Ah, celle-ci est une âme très gyani. » Même si on dit en anglais qu'elle est emplie de connaissances, mais gyan, c'est une signification qui est beaucoup plus profonde. Et ce n'est pas seulement de la vie, mais c'est quelque chose à propos de la spiritualité de Dieu. On dit « c'est gyan ». Mais aussi, ça veut dire « comprendre ». Comprendre veut dire que vous devenez sensible pour tout. Parce que c'est ce que cela veut dire, la connaissance et le gyan. Tous peuvent avoir plein de choses. Il y en a tant qui lisent les Écritures, mais ils sont plus des prêtres ou... Mais gyani veut dire celui qui comprend, celui qui pratique, mais aussi celui qui devient. Alors, je pense que pour moi, comme j'ai dit, chaque mot aujourd'hui avait tellement de signification. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent avec les daddies, mais elles pratiquaient, elles allaient dans la profondeur de chaque mot. C'était le même mot, mais pour elles, il y avait une signification plus profonde parce qu'elles étaient sur le pèlerinage. Et elles prenaient la direction du chemin. Mais moi, en regardant le daddy, la façon qu'elles décidaient leur niveau, je les voyais toujours comme mon prochain pas. Ce n'est pas ce qu'elle disait qui a beaucoup de valeur, mais juste regarder à leur vie pratique, en somme. Alors, la même chose va aussi arriver pour nous alors que nous sommes sur le pèlerinage et que nous avançons. Nous aurons une compréhension plus profonde, une signification plus profonde et aussi une direction sur mon pèlerinage. Je sais que vous expérimentez probablement tous aussi cela. Alors, merci, Om Shanti.
Om Shanti. Maintenant, pour nous, c'est le temps de voir la pratique pour demain. On voudrait inviter notre cher Brother Ken. OK, on n'entend pas Ken. On n'entend pas Ken. Brother Ken, you have to unmute yourself, please. Yeah. So you're watching my lips move, but not hearing things. Vous regardez mes lèvres bouger. Et j'espère que vous régalez vraiment de ces processus. Et Moïni dit qu'elle a reçu de bons retours. Vous pouvez approcher ce thème. Mais Baba fait penser que je dois faire ça très, très simple. Donc, ce sont les clés. Les mots sont les clés qui ouvrent le trésor. Et ce que je veux. Je veux partager, c'est de très beaux partages de combien il est important d'être personnellement en face de Baba. Donc, je dois le faire mien. Comme Moïni disait, Baba, c'est le père, le professeur, le gourou, le Sadguru. Et nous voyons ces trois titres dans chaque murli. Et aussi, il y a le système que nous devons suivre, qui est Srimat. Poursuivre le chemin, poursuivre dans notre pèlerinage. Alors, cette semaine, le thème, c'est l'âme, bien sûr, c'est la conscience de l'âme. Et nous pouvons aussi, même le même murli, comme j'ai dit hier, nous pouvons faire de créer des nouvelles relations avec Dieu. Il y a tant de façons qu'on pourrait apprécier le murli. Il y a quelqu'un qui s'est assis, il a dit à peu près 18 façons, mais je pense qu'il y en a au moins 30 ou 40 pour vraiment apprécier le murli. Il y en a qui ont un antécédent chrétien. Il y a une phrase qui est très reconnue dans le Nouveau Testament de l'apôtre Jean. Au début, il y avait Dieu. Donc, au début, c'est la connaissance. Si je ne reste seulement dans la conscience, comme par exemple, dans le murli. Je me souviens d'une expérience que nous avons eue à Peace Village, où nous avions la retraite de silence et tout le monde était assis en cercle et au milieu. Il y avait un bel arrangement de fleurs. Nous étions à peu près 80 autour. Il disait, je pensais que je suis l'âme au milieu. Et que toutes les personnes autour de moi, c'était comme si c'était tous mes corps. Je n'étais pas les personnes autour de moi, mais j'ai fait l'expérience. Donc, de comprendre ce contexte que je suis cette âme qui est allée autour. J'ai toujours apprécié dans le murli hier aussi.
Aujourd'hui, j'écoutais le Murli encore, je ne l'ai pas lu, j'ai juste écouté. Et ma conscience était Baba me donne du matériel pour construire mon niveau, pour devenir comme. Et c'est le même matériel que Brahma Baba a reçu. Il n'y avait pas de différence entre Baba, maman et les daddies. Nous avons le même matériel. Il y en a qui ont bâti des châteaux avec ce matériel, d'autres ils n'ont même pas bâti une cabane. Et Baba nous donne toute cette connaissance. Et la carte que je disais hier d'aller, il nous disait hier de sortir de la dévotion. Aujourd'hui, ce que Baba me donne comme matériel pour construire mon niveau, c'est d'être heureux. Donc, je dois faire que l'intellect, je dois amener l'intellect à comprendre. Donc, le résultat, ce sera la joie et le bonheur. Et bien sûr, la compréhension ou un manque de compréhension, c'est le rôle de l'intellect. Nous devons ne pas être seulement intellectuels. Sinon, nous ne serons pas heureux et nous allons nous en aller. Donc, l'intellect, c'est la faculté qui donne du sens à tout cela. Alors, je dois l'utiliser pour construire mon niveau de rester heureux. Donc, la pratique des traffic control, c'était pour danser à l'intérieur. Donc, danser à l'intérieur en me souvenant d'un point du service. Donc, par exemple, passer mon temps avec la connaissance, l'attraction de ce qui va se passer à l'âge d'or, expérimenter que je vais recevoir l'héritage et apprécier, louanger tout ce que j'ai. Et ensuite, je suis devenue très heureux en me souvenant de l'ivresse de Brahma Baba. Donc, mettre mon visage vers ce qui est nouveau et non pas ce qui est vieux. Nous devons le faire travailler, nous devons comprendre des choses. Et le bilan, donc, c'est un passe-temps d'être dans le souvenir. Donc, de faire que ça fonctionne, de le faire travailler, donc. Donc, mon passe-temps, c'est mon niveau, c'est d'organiser mon niveau. Alors, le Murli du 3, les mots. Donc, nous pouvons voir le nuage et trois mots qui se Donc, les mots qui se détachent. Would be still standing out. So it becomes very clear that the key words. Ça devient très clair que les mots, c'est le souvenir, l'intellect et le pèlerinage. Encore l'intellect. Je dois comprendre comment faire que je reste sur le pèlerinage du souvenir. Et en écoutant en même temps le Murli. Donc, au temps du Murli, lorsque je l'écoute, on va se dire quel est le lien ou quel lien je peux faire avec mon intellect pour renforcer le pèlerinage du souvenir. C'est l'intellect qui doit planifier tout le voyage. C'est partiellement l'intellect, c'est la conscience aussi de où je vais.
et de vérifier mes freins ou tout ce qui se passe pour que je puisse continuer sur mon chemin du pèlerinage chaque jour, chaque minute, chaque mois ou même à chaque année. Nous sommes encore sur ce pèlerinage et bien sûr, c'est un voyage, il y a une destination. Quelle est ma destination? C'est tellement grand. Laissez-moi y penser demain, de penser à ce pèlerinage demain, utiliser mon intellect pour que je me ressente aussi comme un pèlerin. Et pour les trafics contrôle, tout ce que je fais aujourd'hui, tout ce que j'ai fait aujourd'hui me rappelle que je suis une âme, un pèlerin sur le chemin et en train de devenir un phare spirituel. À chaque fois que j'arrête pour le trafic contrôle, je prends quelque chose du mur, mais tout va m'inspirer pour rester. Ça va m'inspirer pour demeurer un pèlerin et de réaffirmer une chance, de réaffirmer le but. Comme j'ai dit, je suis toujours sur le pèlerinage. Il y a toujours cette destination. La destination ne change pas. C'est je suis avec Baba et le pèlerinage est le même. La méthode est la même. Donc, chaque jour, Baba me nourrit de quelque chose pour vraiment élargir ma conscience. Et nous parlons du pèlerinage et des pèlerins. Et l'expérience que je devrais regarder pour le bilan, c'est dans quelle mesure ai-je été un pèlerin spirituel aujourd'hui? Donc, dans quelle mesure ai-je été un pèlerin spirituel aujourd'hui? Donc, on peut écrire dans notre bilan jusqu'où je suis allée. Donc, combien, dans quelle mesure est-ce que j'ai été un pèlerin spirituel aujourd'hui? C'est pour demain. Donc, si vous pouvez mettre, là, on va parler de l'Amrit Vela. C'est directement du Murli. Je m'excuse si je vous le donne avant le Murli, mais c'est très approprié. C'est lorsque je suis assis dans le souvenir. Quand je suis assis dans le souvenir, j'enlève toutes les traces de mon intellect, de mes inquiétudes, du travail, et je me considère comme une âme. Lorsque je m'assois en souvenir et que j'enlève toutes ces complications de mon intellect et que je me considère comme une âme. Donc, ce sont des trucs, comme j'ai dit, la façon que vous le travaillez, que vous l'approchez, Baba. Je ne fais qu'écouter Baba qui me donne tous les outils pour que je puisse devenir le meilleur sur ce pèlerinage. Om Shanti. Et Mohini Didi dit ce que j'ai trouvé aujourd'hui. C'est quelqu'un veut aller dans le silence de l'intellect ou dans le silence de l'esprit. Mais si nous sommes en train de faire quelque chose, que ce soit de l'administration, un travail administratif ou autre chose, et que je veux bouger vers le silence, je pense que ce n'est pas possible à moins que je commence à penser à des points du Murli ou que j'ai une certaine réflexion. Et aussitôt que je le fais, je peux aller directement dans le silence. Alors, je pense que c'est autrement, je me dis non, je ne devrais pas penser, mais ce n'est pas nécessaire. Je suis en silence, donc je me souviens de Didi Manmohini qui disait « Man Manabhav, autant que vous gardez votre esprit avec la connaissance, plus ce sera facile de vous souvenir de Baba. » Donc, il y a ce lien profond en barattant les points du Murli. Il y a aussi
ça augmente notre niveau de silence. Alors, c'est cela que je partage avec vous. Merci, Brother Ken. Candy, merci, Moini Ben. Je pense que c'est une très, très belle expérience, moi aussi, pour moi, de faire... de faire ce travail. Moini dit, j'ai beaucoup apprécié aujourd'hui que nous j'ai étudié encore plus profondément, donc ce sont des bons sentiments. Om Shanti, Om Shanti. Donc, les trois mots pour demain. C'était souvenir, pèlerinage et intellect. Om Shanti. Om Shanti, merci beaucoup. C'est très beau. Maintenant, souhaitons la bienvenue à Avyakti Journey. Le jour de Bab Dada, le pouvoir transformateur, la vision de Baba, les dadis à travers les yeux de Baba. Alors, tout le monde a envoyé beaucoup d'amour et de souvenirs, des multimillions de salutations à chacun de la part de Bab Dada. Padam guna vadaya acha Tout le monde autour sont en train de célébrer. C'est bon. Baba a dit que vous avanciez dans le service, que vous faites du bon service. Baba est ravi. Partout où il y a des programmes, il y a du succès et un succès de plus en plus grand. C'est bon. En étant assis ici, vous les servez également et c'est aussi très bien. Baba, c'est l'amour de Baba qui nous soutient. Chacun danse, tout le monde danse. Bab Dada vous demande simplement de n'avoir aucune limitation. Donc ne gardez aucune limitation. Okay.
Donc, ne restez pas. Ne dites pas où est-ce que je peux aller. Allez où c'est nécessaire. Maintenant, vous n'oubliez pas les endroits que vous pensez que c'est nécessaire d'aller. Donc, il n'est pas interdit de vous rendre dans un endroit où vous le jugez nécessaire. Ne vous gardez pas dans les liens, restez libre. Il n'est pas bon de rester dans les liens parce que vous ne voulez aller nulle part. Être toujours prêt. Soyez toujours prêt. Ce n'est pas grave d'aller dans un endroit où il y a un besoin. Et tout le monde pense parfois que vous dites oui et parfois que vous dites non. Non, Bab Dada dit cela. Non, Baba nous dit, ne vous tenez pas strictement dans les liens, dans les liens que vous ne voulez pas y aller, que vous ne voulez pas le faire. C'est une pensée, ce n'est pas un lien. Donc, votre pensée sera comblée.